Bonjour à toutes et à tous, je suis David Gauthier, membre de la communauté digitale et j'accompagne Raphaël Contamin, le directeur d'Equence Digital Monde, dans le développement à la fois de la marque pour le monde et aussi évidemment du business associé au développement du digital au sein d'Equence. Alors c'est faux, Equence Digital c'est deux choses, c'est à la fois une marque et un réseau d'entités qui sont porteuses d'activités business. Donc réseau d'entités à l'échelle des coins en ce monde. C'est vrai, et c'est d'ailleurs ce qui nous différencie d'un certain nombre d'autres acteurs. Et cette différence-là, elle provient du fait que Equence Digital va venir combiner son expertise et son expérience très longue en matière d'installation et métier de nos clients avec la compréhension, l'expertise des technologies digitales et des services digitaux qui s'en accompagnent. Alors, c'est faux. Equence Digital n'est pas focalisé sur les technologies de l'Internet. Cependant, Equence Digital dispose d'un certain nombre d'entités qui elles-mêmes sont des pure players digitaux. J'ai en tête, par exemple, dans le domaine de l'automatisme, dans le domaine du BIM, dans le domaine de l'exploitation de la donnée. Mais Equence Digital a pour vocation, sur la base de sa connaissance et expertise des métiers de ses clients et de ses installations, à aller collecter, capter la donnée depuis ces mêmes installations pour aller y appliquer dessus des traitements plus ou moins riches avec, par exemple, dans certains cas, de la data science, de l'intelligence artificielle, pour restituer des cas d'usage à forte valeur ajoutée à travers des applicatifs spécifiques sur mesure, à travers des indicateurs et à travers tout simplement des informations valorisées. Alors vrai, 200% vrai, de nouveau Equence Digital c'est un réseau d'entités et d'experts et l'objectif entre autres de la création d'Equence Digital, outre le développement du business digital, c'est la mise en relation des différents experts et acteurs du digital au sein d'Equence à la maille du monde, pour être capable à la fois de partager des expériences et aussi de se développer réciproquement à travers des expériences, à travers des projets passés, le tout pour apporter plus de valeur dans les réponses qu'on apporte à nos clients pour optimiser leur performance. Alors, qu'est-ce que ça amènera en interne? C'est la création d'une communauté digitale qui est réellement quelque chose d'assez nouveau chez nous, mais dont on pense que ça va apporter une grande valeur dans le développement de notre business autour du digital en l'occurrence. Donc c'est vraiment une communauté qui va à la fois être animée à la maille de chaque territoire dans le monde, mais aussi de manière plus globale à travers une gouvernance Equence Digital Monde.